Ah. Donc du coup, aujourd'hui, c'est une séance plutôt orientée sur du cardio. On va faire du renforcement. On avait fait équilibre, on avait fait donc mobilisation douce et stretching. Donc là, ben, on est sur une séance de cardio. Du coup, ça va s'orienter avec un échauffement standard de 10 minutes. Et puis, un petit circuit training qu'on va répéter 4 fois avec 6 ateliers dans le circuit training à réaliser sur chaise. Je fais des choses qui nous permettent de travailler en douceur et qui ne nous demandent pas forcément d'aller au sol. Et puis, à la fin de la séance, je me suis gardé une petite relaxation puisque je vous l'avais promis. C'est parti, je mets mon chrono. Il n'y a pas de bon prof de sport sans une bonne montre et un bon chrono, c'est bien connu. Allez, échauffement. Donc, tout simple pour mobiliser la colonne. Donc, placez bien les pieds dans la largeur du bassin. Toujours pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Vous pensez à fermer les sphincters pour mobiliser votre périnée et donc protéger toute la partie basse de votre bassin et éviter que les viscères aillent pousser vers le bas. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine, allongez votre dos et regardez un point fixe en face de vous. Jambes un peu pliées, pieds bien enfoncés dans le sol, comme si vous étiez dans le sable et que vous pouviez mettre les pieds bien dans le sable pour vous enfoncer dedans. Enroulez la tête, amenez le menton à la poitrine, laissez tomber les épaules, laissez tomber le poids des bras. On dépasse nos genoux vers le sol. Voilà, les mains se rapprochent du sol. Je vais à mi-hauteur et quand j'inspire, je déroule. Je remets d'abord le bas du dos à sa place, puis le dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Rabaissez bien les épaules, éloignez-les de vos oreilles. Soufflez, recommencez. Cette fois-ci, je vais aller mettre les doigts sous mes orteils. J'inspire, je déroule. Remettez bien d'abord le bas du dos, le dos, les épaules. Éloignez les épaules de la tête, allongez bien votre dos, regardez en face de vous. Essoufflez la dernière, venez chercher le sol avec vos mains. Les jambes sont toujours pliées. Imaginons de poser les mains sur le sol ou au moins le bout des doigts. Et là, vous soufflez, essayez de relâcher le poids de la tête et d'allonger, d'étendre vos jambes, même si elles ne sont pas tendues. Inspirez, pliez à nouveau. Le poids du corps est plutôt vers l'arrière. Sur les talons, les fesses vers l'arrière. À nouveau, soufflez. Essayez de tendre les jambes et de mettre le poids du corps plutôt sur les orteils. Et la dernière, je plie et inspirez. Repoussez avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et remettre la tête droite, épaules loin des oreilles. Parfait. Au niveau ici des omoplates. Inspirez, emmenez les omoplates l'une contre l'autre le plus possible. Soufflez, relâchez. Inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, relâchez. Inspirez, omoplates l'une contre l'autre. Et soufflez, relâchez. Parfait. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, amenez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Très bien. Regardez maintenant un point fixe en face de vous. Laissez tomber la tête sur le côté. C'est l'oreille qui va aller chercher votre épaule et non pas l'inverse, l'épaule est basse. Inspirez, remettez la tête droite. Soufflez, mettez l'autre oreille vers votre épaule. Abaissez bien l'épaule. Inspirez, revenez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez, abaissez votre oreille à votre épaule. Inspirez, revenez. Et dernière fois, soufflez, laissez votre oreille descendre vers votre épaule. Inspirez, revenez. Et la dernière fois de l'autre côté. Parfait. Cette fois-ci, soufflez, regardez par-dessus votre épaule. Inspirez, regardez en face de vous. Soufflez, regardez par-dessus l'autre épaule. Inspirez, regardez de nouveau en face. Soufflez à droite. Inspirez de face. Soufflez à gauche. Inspirez de face. Et soufflez à droite. Inspirez de face. Et dernière fois, soufflez à gauche. Et inspirez de face. Parfait. Cette fois-ci, tendez les bras devant vous.
Tournez les paumes de main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. 5, 6, 7, 8, bras bien tendus, 9, 10. Et là, toujours sur les jambes, bien plié, ventre rentré, périnée engagée. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, tirez les coudes loin derrière. Essoufflez, arrondissez votre dos. Inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, tirez les coudes loin derrière. Soufflez, arrondissez. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, tirez les coudes loin derrière. Soufflez, arrondissez. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, les coudes derrière. Le bassin ne bouge pas, jambes pliées. Et je vais venir osciller de droite à gauche en emmenant les coudes derrière. Coude droit, coude gauche, coude droit, coude gauche. Vous remarquerez que mon bassin, lui, ne bouge pas. C'est que l'axe des épaules. Voilà, je réveille la partie dorsale. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, relâchez. Toujours les jambes bien dans le sol, le ventre bien rentré. Cette fois-ci, avec la main droite, allongez, grandissez-vous. Voilà. Allongez, grandissez-vous. Donc le bas du corps est dans le sol et le haut du corps est allongé, étiré. Inspirez, revenez. Et même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez. Allez, droite, gauche, droite, gauche. Je souffle. J'inspire quand je redescends ma main. Je souffle quand je lève ma main. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Relâchez. Bras tendus devant, paume de main face à face. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, refermez. Inspirez, soufflez. Les mains sont à hauteur d'épaule. 3, inspirez, soufflez. 4, inspirez, soufflez. 5, inspirez, soufflez. 6. 7, 8, 9, 10. Parfait. Gardez les mains de chaque côté. Et là, allongez-vous, grandissez-vous. Comme si vous vouliez aller toucher un mur de chaque côté. Ouvrez bien grand les doigts. Allongez. Et amenez les omoplates. Collez l'une contre l'autre. Fixez l'une contre l'autre. Ce qui n'empêche pas d'aller chercher avec les bras. Loin sur les côtés. Et relâchez vos bras. Parfait. Voilà, ça va pour tout le monde, je vérifie juste, le son c'est ok pour vous? Ouais, ça va pour tout le monde? Ok, super, génial, continuons. Alors du coup, ici toujours avec les jambes écartées, la largeur du bassin, je vais venir cette fois-ci basculer le bassin en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour réveiller le bas de mon dos. Parfait. Et vous pouvez venir vous aider avec la chaise si vous le souhaitez pour avoir... Reposer et de l'autre côté, genou gauche. Vous remarquerez que je ne vais pas loin ici, là, derrière, puisque c'est naturellement la musculature de ma fesse qui m'arrête. Il ne s'agit pas de creuser dans le bas du dos, donc je laisse naturellement, tranquillement, le mouvement pendulaire s'effectuer pour réveiller ma hanche sans aller chercher sur des grandes amplitudes. 9 et 10. Très bien. Pour réveiller mes genoux, vous mettez les mains sur les cuisses, pliez vos genoux et tendez les jambes, fesses loin derrière, dos bien plat. Réveillez aussi l'arrière de la jambe en souplesse. Soufflez, pliez, pardon, inspirez, pliez, soufflez, tendez. Inspirez, pliez, soufflez, tendez. Inspirez, pliez, soufflez, tendez. Inspirez, pliez, soufflez, tendez. 8, 9,
et 10. Parfait. Alors, pour les chevilles, venez ici, avancez les coups de pied loin devant. Comme si vous marchiez sur place. Et vous montez tour à tour sur les orteils, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Poussez bien les coups de pied vers l'avant. 5 et 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, soufflez bien. Vous faites des tout petits pliés, les talons bien au sol pour réveiller l'articulation de votre cheville. Parfait. Et 10. Et là, entre bien rentré, dos bien droit. Vous regardez un point fixe en face de vous et vous allez mettre le poids du corps sur les talons. Les orteils se soulèvent et à l'inverse, le poids du corps sur les orteils, les talons se soulèvent. Talons, orteils, talons, orteils, talons, orteils et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez bien en haut sur vos pointes de pied et descendez les talons vers le sol en 3 temps. 3, 2, 1, j'ai reposé l'intégralité de mon pied au sol. Mettez-vous sur la pointe des pieds et 3, 2, 1, reposez l'intégralité du pied au sol. Sur la pointe des pieds, 3, 2, 1, reposez les talons au sol. Sur la pointe des pieds, 3, 2, 1, reposez les talons sur le sol. Sur la pointe des pieds, 1, 2, 3, et faites la même chose cette fois-ci sur un pied. Montez sur un pied, 1, 2, 3, reposez votre talon au sol. Montez sur les pointes de votre pied, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, et reposez. Changez de pied de l'autre côté, 3, à nouveau, montez sur la pointe du pied, et 3, 2, 1, posez le pied bien à plat, montez sur la pointe du pied, 1, 2, 3, reposez le pied bien à plat, montez sur la pointe du pied, 3, 2, 1, et reposez. Marchez sur place, soufflez bien, parfait, 8, 9, 10, petit travail d'équilibre, sur un pied, dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, vous pouvez stabiliser avec les bras si vous avez envie. Par exemple, je suis sur un pied, je regarde un point fixe en face de moi, je maintiens la position pendant 15 secondes et si vous souhaitez, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc là je réveille la proprioception. Et je réveille aussi donc mon système nerveux central. Je me mets en état de vigilance pour faire l'activité et ne pas me blesser. Deuxième jambe, deuxième pied, c'est parti. Je me mets sur un pied, j'allonge mon dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et ce qui fait qu'on va tenir en équilibre, c'est de s'allonger, de se grandir, de s'étirer et venir chercher sur les côtés. Fermez les yeux si vous souhaitez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et reposez, soufflez bien, parfait, inspirez, croisez les doigts, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous, et relâchez. Voilà, la période d'échauffement est terminée, on va maintenant faire notre circuit training. Alors, juste pour vous le présenter, je me rapproche. Le circuit training, nous allons avoir à chaque fois 6 exercices à faire et nous ferons 4 répétitions de ces 6 exercices. Donc, ma série de 6, c'est mon premier tour. Entre chaque tour, on aura une minute de récupération pendant laquelle on va prendre le temps de boire et de s'étirer si besoin. J'aime bien remobiliser le bas du dos ou les épaules quand je les fais travailler comme ça. Je sais que ça soulage directement l'articulation concernée. Et donc, sur chaque atelier, 30 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération, on passe au deuxième exercice, 30 secondes d'exercice, 20 minutes de récupération, etc., etc. Premier exercice, ça va être une fente avec ce qu'on appelle remise en charge. Elle permet en fait de venir travailler l'articulation du genou et surtout en fait de solidifier
ici au niveau de la rotule et d'éviter les phénomènes d'effondrement vers l'intérieur qu'on a souvent, par exemple, chez les personnes qui ont été opérées au niveau des ligaments, au niveau de la rotule ou avec des prothèses, et qu'on rencontre souvent chez les coureurs. Donc, je sais que chez vous, il y a des coureurs à pied. Ça va donner vraiment de la solidité et ça va améliorer votre gestuelle. Ce premier exercice-là, le deuxième, on va voir comment on le met. Il y aura deux façons de faire. Le troisième, du coup, c'est un debout assis, tout simplement, sur chaise. Et après, donc, le quatrième, c'est un gainage, un dynamique, un travail de bras et un travail d'abdos. Comme ça, on a nos six exercices. Premier exercice, c'est parti. Les fentes. Donc, vous les faites vers l'arrière. Comme ça, je suis sûre qu'il y a bien un angle droit de respecter sur chacun de vos genoux. Là, ici, si je suis là et que je recule, je respecte un angle droit ici, un angle droit ici. La remise en charge, c'est que je reviens avec mes pieds devant, reposer. Et même chose avec mes pieds droits derrière, je reviens et je repousse. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, encore 6 secondes, 10, 11, et 12, et vous soufflez. Soufflez pendant 20 secondes, je profite juste de ce moment pour vous voir. Ça va pour tout le monde? Parfait. Superbe. Ok, très bien. Allez, on repart cette fois-ci. Deuxième exercice. Je vous ai dit deux façons de le faire. Assurez-vous que votre chaise ne glisse pas si vous le faites avec la chaise. Soit vous allez venir juste poser la pointe du pied de façon dynamique, ok? Soit vous montez sur la chaise. La solution que vous voulez. C'est parti. Allez, 30 secondes. 1, 2, il ne faut pas que la chaise bouge, donc vous pouvez la caler contre un mur et sinon juste comme ceci. Pointe, 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 comme vous voulez. Allez, encore. 3, nous reste 10 secondes. 4, 5, 6, 7, et vous soufflez. 20 secondes de récupération. En étant bien soufflé, préparez votre chaise pour le debout assis. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, asseyez-vous, et 1, 2, 3, 4, donc le but du jeu, c'est d'en faire quand même le plus possible. Maintenant, 8, 10, allez, encore 10 secondes. 11, 12, 13, 14 et 15. Et vous soufflez. 20 secondes de récup. Prenez le temps d'inspirer par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. L'exercice d'après, c'est un gainage dynamique. Et j'ai choisi sur les côtés pour aller chercher là, à favoriser donc le bon fonctionnement de la ceinture iliaque. C'est un exercice qu'on fait dans le cas de personnes qui souffrent de pubalgie. Donc, votre chaise, gainage sur les coudes obligatoires, les hanches, hein, si vous n'êtes pas bien, mettez sur les mains. Et évidemment, si je vous ai dit que vous pouvez utiliser la chaise, la table, pardon, c'est que l'exercice de la même façon, vous pourrez me le faire sur la table. En gainage, ventre bien rentré, périnée engagée, bassin basculé vers la table, les mains dans l'axe, les coudes le long du corps, et là, allez chercher de chaque côté avec vos genoux à l'extérieur de vos coudes. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche, genou droit à l'extérieur du coude droit. Genou gauche à l'extérieur, genou droit à l'extérieur. 5, 6, 7, 8, 9, c'est le même exercice
sur la chaise, évidemment. Prenez le temps, juste quand vous vous redressez, de marcher vers la table et vers la chaise et pousser sur les bras. Basculez bien le bassin vers l'avant pour redérouler le dos comme à l'échauffement. Allez, 20 secondes de récupération. Inspirez bien par le nez, soufflez bien par la bouche. Inspirez, soufflez. J'ai mis un exercice de bras ici pour ne pas être que sur la sollicitation du même groupe musculaire. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Donc là, vous mettez les mains sur le bord de la chaise, avancez les pieds bien loin devant et amenez les fesses dans le vide. Les coudes sont collés. Vous me mettez les omoplates collées l'une contre l'autre. Et là, allez faire comme si vous vouliez. Posez vos fesses au sol. Ce qui compte le plus, c'est que vos omoplates soient bien collées l'une contre l'autre. Peu importe si vous pliez peu les bras, c'est pas grave. Pensez plutôt qualité du mouvement. C'est vraiment plus intéressant. Et puis, sachant qu'on fait 4 tours, je préfère que vous me fassiez des petits exercices plus cool, mais que vous teniez sur la longueur de l'exercice à réaliser. Essoufflez, 20 secondes de récupération. Inspirez, soufflez. L'exercice après, on le fait aussi dans la chaise, avec les mains de chaque côté des genoux. Avancez un tout petit peu les fesses dans la chaise. On va être trop contraint par le dossier sinon. Attention, c'est reparti. Ventre rentré. Périnée engagée sur celui-là, j'y tiens beaucoup. Et allongez bien votre dos. Poussez sur les mains pour lever votre genou gauche. Poussez sur les mains pour lever votre genou droit. Et on descend en 3 temps. 3, 2, 1. Et sans toucher par terre, soufflez, levez le genou droit. Soufflez, levez le genou gauche. Et descendez. 3, 2, 1. À la descente, si descendre les deux genoux en même temps est trop compliqué, je vous inviterai à refaire la même chose, mais en descendant un pied, puis l'autre. Montez, montez, descendez, descendez, d'accord? On monte un coup genou droit d'abord. 3, 2, 1. Et un coup genou gauche. 3, 2, 1. Genou droit. 3, 2, 1. Genou gauche. 3, 2, 1. Un, posez un pied, posez l'autre pied. Et là, du coup, soufflez. On a 1 minute de récupération. On vient de finir notre premier circuit. Donc, on va refaire encore 3 fois. Je vous invite ici à laisser tomber le poids de la tête, enrouler les épaules, la poitrine, laisser tomber le haut du corps sur le bas du corps. Alors, 2 choses. Soit, vous vous mettez bien près. Vous collez les coudes l'un contre l'autre et vous allez laisser ici basculer, un petit mouvement pendulaire, de droite à gauche, relâchez bien le poids de la tête et laissez basculer les coudes d'un côté sur l'autre. Parce que ça, ça soulage et ça ouvre au niveau du coccyx. Parfait. Et si c'est plutôt le haut du corps qui râle, eh bien, allongez les doigts dans le sol et allez chercher le plus loin possible devant pour étirer davantage le dos. Quand vous vous remontez, remettez bien les mains sur les genoux pour pousser avec les bras, enrouler le bas du dos, dérouler le dos, les épaules et en dernier la tête. Buvez un coup. Je vous ai dit, à chaque tour, son petit coup. Buvez bien. Alors, je récupère tout le monde. Est-ce que ça vous va, ça, comme proposition ? Au niveau des exercices, c'est bien pour vous? Ouais, ok, parfait. Vous êtes des pros, il n'y a pas de souci. On repart, il nous en reste 3 à faire. Courage. Alors, tchop. C'est reparti. Je retourne au niveau du son, normalement c'est bon. Je ne vous vois pas me faire de grands signes. J'imagine que c'est parfait. Deuxième tour, c'est reparti avec les fentes. Allez, 30 secondes. Fentes. Regardez un point fixé en face de vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et je vais chercher derrière. Revenez, posez. Changez de pied. Revenez, posez. Changez de pied. Revenez, posez. Celui-là travaille l'équilibre aussi. Hein. À chaque fois, l'intérêt est vraiment multiple. 6, 7,
8, 9, 10. Ok, soufflez. 20 secondes de récup. Soufflez bien. L'exercice après se fait avec ma chaise. Donc souvenez-vous, soit je viens chercher à pointer devant. Équilibrez-vous bien avec les bras, ça aide vraiment. Soit je monte le plus haut possible et j'envoie ma jambe tendue vers l'arrière pour faire travailler ici le muscle fessier. Par contre, c'est pas la ballerine comme ça. C'est juste un tout petit mouvement. Allez. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10 secondes. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soufflez bien. L'exercice d'après, souvenez-vous, c'est le gainage. Soufflez un bon coup sur les 20 secondes de récupération. Inspirez par le nez, bouche. Deuxième tour, en général, c'est la concentration au travail. Allez, c'est reparti. Allez, 4, 3, 2, 1. En gainage. Façon sécurisée bien les coudes et le bassin. Et vous venez chercher de chaque côté avec les genoux. 3, 4, 5. Ventre bien rentré. Périnée engagée. Basculez le pubis vers la chaise ou la table. Ramenez bien les coudes le long de votre corps. À minima, les épaules doivent se situer au-dessus de vos coudes. Un petit peu si vous êtes sur la chaise, comme si vous vouliez mettre la tête dans le dossier. Voilà, soufflez pour vous redresser en douceur. Marchez, utilisez la chaise pour vous redresser. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous savez quoi, j'ai mangé le debout assis. Quatrième exercice, du coup, c'est trop pressé d'aller sur mon exercice de gainage. J'espère que le vent ne vous gêne pas trop. Je trouvais ça un peu sympa d'aller dehors pour une fois. Allez, debout assis, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore 7 secondes, 13, 14, alors je compte parce que ça me donne un rythme, je sais que j'en fais 15, 16 par exemple, voilà, et là c'est fini, comme ça je sais si j'ai ralenti ou pas d'une fois sur deux. Soufflez un bon coup, 20 secondes de récup, on reprend à 40 dans 10 secondes, hein. La récup passe très très vite. Exercice d'après, c'est les bras, allez, 2, 1 et c'est parti, souvenez-vous pour les bras, ce qui compte c'est de mettre les pieds loin devant, et d'amener les omoplates l'une contre l'autre. Ça, c'est hyper important. Et seulement après, amener les fesses vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, rasseyez-vous, soufflez sur les 20 secondes, on va reprendre à 30, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, on reprend dans 5 secondes, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, et là c'est les abdos, les mains de chaque côté de vos genoux, soufflez monter la jambe droite, soufflez monter la jambe gauche, et descendez les deux, 3, 2, un, en contrôlant la descente. Ne posez pas les pieds au sol, c'est reparti. Genou gauche, genou droit, je souffle. En 3, 2, 1, sur la descente. Inspire, inspire, souffle. 3, 2, 1, genou gauche. Inspire, inspire, souffle. 3, 2, 1. Votre ventre est rentré. Nombril aspiré le long de la colonne. C'est extrêmement important. Et levez
moins haut les genoux, ça ne doit pas tirer dans le dos. Souvenez-vous, si ça tire, vous descendez pied-pied et vous montez genou-genou. Vous descendez pied-pied et vous montez genou-genou. 3, 2, 1, reposez un pied, reposez l'autre pied, essoufflez. Soufflez bien. Et donc, deuxième minute de récup. On a fini notre deuxième tour, donc là on a fait la moitié. Voyez qu'au troisième tour et au quatrième tour, vous allez voir votre rythme cardiaque s'installe, le métabolisme s'habitue à l'exercice et ça va être beaucoup plus facile. Prenez le temps, on va étirer encore une fois le bas de notre dos. Cette fois-ci comme là. Mettez les pieds sous votre bassin. Il faut quand même avoir la longueur des bras et du buste entre ses pieds et la chaise. Et soufflez, jambes bien tendues. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Rentrez le nombril le long de la colonne et allongez votre dos, amenez les épaules vers le sol. Soufflez bien. Voilà, quand vous vous redressez, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez bien les sphincters, pliez les genoux, arrondissez votre dos, faites le chat qui s'étire et marchez vers la chaise et buvez. On reprend dans 10 secondes. C'est reparti sur les fentes dans 7 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc du coup, fente, remise en charge. Hop, de l'autre côté. Fente, remise en charge. Hop. Fente, remise en charge. Fente, remise en charge. Fente, remise en charge. Très bien. Fente, remise en charge. Fente, remise en charge. De l'autre côté. Hop, voilà. Loop, remise en charge. Fente, remise en charge. Et une petite dernière pour la route. Fente, remise en charge. Parfait, 20 secondes de récupération. La chaise devant vous. Façon bien la caler, être sûr que elle avance pas, elle recule pas. Donc deux solutions, soit celui-ci, d'accord, soit celui où je monte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 8 secondes, 14, voilà, c'est ça, j'en fais 15, allez, un petit 16e, sorte équilibré et vous soufflez. Petit debout assis sur la chaise, profitez d'un bon vous asseoir. C'est l'avant-dernier tour. Donc profitez bien, parce qu'après il nous en reste que un de chaque à faire. Allez, c'est reparti, debout assis. 1, 2, 3. Soufflez quand vous vous levez. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Allez, encore 15 secondes. 15, 17, 18. C'est rigolo, j'ai accéléré. Et vous soufflez. 20 secondes de récupération. Je vais me mettre dans ce sens-là. Vous verrez mieux. En étant de souffler. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Attention, c'est reparti dans 3, 2, sur le gainage. Donc toujours un chaise ou table comme vous voulez. Installez bien vos coudes, reculez les pieds. Vous êtes sur la pointe des pieds, en déséquilibre vers l'avant, pubis vers la chaise. Rentrez le nombril, fermez les robinets. Et on va chercher à sécuriser les coudes le long du corps. Allez, genou droit à l'extérieur du coude droit. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
5, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est parti. On marche tranquillement. 20 secondes de récupération avant d'arriver sur l'exercice au niveau des bras. Soufflez, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Allez, attention, c'est reparti. Sur cet exercice-là, pensez. Avancez bien les pieds loin devant. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Et c'est parti. Coude bien le long du corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, et vous reculez, et vous vous asseyez à nouveau, soufflez bien, 20 secondes de récupération, et à la demi, on sera reparti pour les abdos, genoux, et on abaisse les pieds, allez, 5 secondes, inspirez bien par le nez, soufflez bien par la bouche, alors, c'est parti, rentrez bien le nombril le long de la colonne, soufflez, levez un genou, soufflez, levez l'autre genou. J'inspire, je souffle, 3, 2, 1, vous pouvez faire, inspire, souffle, 2, 1, inspire, souffle, 3, 2, 1, genou gauche, 3, 2, 1, genou droit, 3, 2, 1, genou gauche, 3, 2, 1, genou droit. Ici, rentrez bien le nombril le long de la colonne, c'est hyper important. Fermez bien vos sphincters. Et hop, reposez pied droit, reposez pied gauche. Soufflez, allez, on s'étire. Étirez-vous d'un côté, soufflez bien. Étirez-vous de l'autre côté. Voilà, pour le bas de votre dos. Avancez un peu, prenez votre genou ou sous la cuisse et doucement en soufflant, amenez le genou vers votre épaule et laissez tomber le poids de la tête sur votre genou. Soufflez bien. Reposez, même chose de l'autre côté. Je souffle, j'emmène le genou vers mon épaule. J'inspire et quand je souffle à nouveau, je laisse tomber le haut du corps sur le bas du corps. Soufflez bien, le pied est flex. Reposez et buvez. Voilà, dernier tour. Trop facile. Dernier tour, impeccable, il va se faire comme une fleur. Donc nos 6 derniers exercices. C'est parti avec les fentes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Fente, je ramène. 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 Une petite dernière de l'autre côté. Fente, je ramène. Soufflez. 20 secondes de récup. Deuxième exercice de ma dernière série. Souvenez-vous, soit je fais celui-là, soit je monte sur ma chaise. Je fais des équilibristes aujourd'hui. 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rentrez bien l'ombril le long de la colonne. Cette jambe-là, elle ne va pas haut. Hein. Toujours dans l'idée de juste emmener le talon vers le ciel. Ça reste un petit mouvement. Allez, 6 secondes encore. Olé, je parle. Voilà, c'est fini. Si je me déconcentre, soufflez bien. Inspirez. Par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Donc on est reparti cette fois-ci sur le debout assis. 2, 1, maintenant. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20, allez, 3 secondes. Et relâchez, soufflez bien. Relâchez vos jambes, n'hésitez pas à vous déplacer, à marcher. Gainage dans 5 secondes. Prenez temps d'inspirer par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. 3 grandes respirations, ça suffit à baisser le rythme cardiaque. C'est parti, allez, gainage. Attention de vous mettre bien en déséquilibre vers l'avant, les coudes sécurisés le long du corps. Rentrez votre nombril, fermez les sphincters, pubis vers la chaise et c'est parti. Les genoux à l'extérieur de mes coudes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, et vous marchez tranquillement vers la chaise. Attention quand vous vous redressez, hein, je déroule. Soufflez bien. Parfait. Allez, 20 secondes de récupération. Et on passe à l'exercice des bras. Donc vous avez vu, fente, élévation, debout assis, gainage. Il nous en reste que deux à faire et c'est fait. Hein. Allez. Sur le devant, les mains sur la chaise, les pieds loin devant, les omoplates l'une contre l'autre et vous descendez. 1, 2, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez bien vos sphincters. 4, 5, 6, inspire, souffle, 7, inspire, souffle, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça, ça me fait mes 30 secondes. Soufflez un bon coup. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On reprend dans 10 secondes avec les abdos. Dernier exercice. Inspirez, expirez. Voilà, vous pouvez commencer à vous installer. On commence dans 3, 2, 1. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez au niveau des sphincters. Levez, levez. Et 3, 2, 1. Abaissez. Sans toucher par terre. 3, 2, 1, gauche, droite, 3, 2, 1, droite, gauche, 3, 2, 1, gauche, droite, 3, 2, 1, droite, gauche, 3, 2, 1, gauche, droite, 3, 2, 1, droite, gauche, 3, 2, 1, gauche, droite, 3, 2, 1, droite, gauche, 3, 2, 1, posez un pied, posez le pied, et relâchez. Une minute de récupération, prenez le temps de boire. Prenez avec vous votre torchon, on va s'en servir après. Allez, petit défi de souplesse. Mettez les fesses au bord de la chaise, dos bien droit, jambes bien devant vous. Tendez la jambe gauche pour le cou, pied bien flex, talon au sol. Cette jambe, elle doit rester tendue en toutes circonstances. Vous pouvez mettre le coude droit sur le genou droit, sécurisé sur votre dos. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on va faire 3 grandes respirations. Vous soufflez, vous laissez tomber la tête, les épaules. Vous rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez bien au niveau des sphincters et vous soufflez. Vous laissez descendre votre main vers vos lacets, le bout du pied, les orteils, comme vous voulez. Soufflez bien. Vous vous arrêtez là où naturellement ça commence à chauffer. Inspirez, bougez pas. Et soufflez, essayez de gratter un petit peu de terrain. Inspirez, ne bougez pas. Et soufflez, essayez d'aller encore un petit peu plus loin. Parfait, laissez bien tomber la tête pour étirer le dos. Voilà, pour étirer les épaules. En fait, ça étire bien les épaules aussi.
L'idée, c'est que vous pouvez aussi aller mettre les deux mains ou être installé sur le sol. On fera un petit exercice tout à l'heure. Remettez bien les mains sur le genou pour pouvoir redérouler votre bas du dos avec notre routine habituelle. Changez de côté, jambe droite, talon au sol, pied flex, jambe bien tendue. Mettez le coude gauche sur la jambe gauche. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête. Voilà. Laissez faire. Inspirez, soufflez, allez chercher à nouveau un petit peu plus loin. Peut-être que vous pouvez aller saisir le dessous de la semelle avec votre main ou tout simplement attraper vos lacets. L'idée, c'est de bien laisser tomber le poids du haut du corps. Hein. Et soufflez à nouveau, vous allez chercher le plus loin possible. Laissez la jambe bien tendue et laissez juste le poids du haut du corps venir sur le bas du corps. Sur l'inspiration, remettez les mains sur le genou gauche. Rentrez le nombril le long de la colonne, déroulez le bas du dos, les côtes, les épaules, en dernier la tête. Parfait. Alors, c'est là que vous prenez ici votre torchon. Avec le torchon, mettez le torchon de la largeur des épaules ou refermez-le un tout petit peu pour travailler en souplesse. Ici, assis dans la chaise, je sais que vous allez avoir le bassin en position neutre et que vous allez faire attention à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Vous ne pourrez pas tricher en creusant le dos. Je vous invite à emmener au-dessus de votre tête et à aller chercher le plus loin possible derrière avec le torchon bras tendu. Allez, inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Très bien. Allez chercher maintenant vers la gauche. Étirez votre côté. Donc je cherche ici à allonger, étirer mon côté droit. Je cherche la diagonale, je m'étire, je vais le plus loin possible. Inspirez, revenez. Et même chose de l'autre côté, soufflez bien, allongez, étirez votre buste. Regardez un point fixe en face de vous. Inspirez, revenez. Très bien, descendez les coudes, puis les bras. Vous allez maintenant passer le torchon dans le dos. Vous levez, je vous montre. Pied droit devant, pied gauche derrière. Les jambes vont rester tendues. Bassin bien vissé dans l'axe, pour pas qu'il tourne. Ici, poussez le plus possible vers le bas, de façon à ce que votre torchon passe en dessous des fesses. Et là, vous allez pouvoir venir lever en tirant le plus loin possible de vous et en amenant les omoplates l'une contre l'autre. Très bien. Et dernière chose, vous abaissez le corps sur votre jambe. Laissez tomber la tête en regardant vos genoux. Soufflez bien. Inspirez, revenez, regardez tranquillement en face de vous, amenez doucement le torchon vers les fesses. Changez de pied, pied gauche devant, pied droit derrière, jambes bien tendues, bassin fixé en face dans l'axe. Amenez les omoplates l'une contre l'autre pour pouvoir abaisser le plus possible le torchon vers le sol. Amenez vers l'arrière en élevant, en poussant plus loin de vous. Et vous abaissez le haut du corps sur le bas du corps. Les mains s'en vont par-dessus la tête. Et vous laissez la tête se reposer et allez regarder vos genoux. Soufflez bien. Quand vous vous redressez, vous pouvez plier légèrement le genou devant pour prendre appui dessus. Rentrez bien nombreux le long de la colonne. Ramenez d'abord le pubis vers l'avant. Et redéveloppez votre dos. Parfait. Alors, gardez le torchon dans la main droite. Vous l'emmenez par-dessus la tête avec la main gauche. Allez chercher derrière. Et là, c'est un petit jeu de gagne-terrain. J'essaie de me déplacer le long du torchon pour aller rassembler les deux mains. Inspirez, expirez. Et de là, allez tirer vers le bas avec la main du bas. Donc là, moi, c'est le bras gauche. Mais tirez vers le bas pour étirer le bras droit. Parfait. Et à l'inverse, je vais tirer avec la main droite pour étirer le bras gauche. Relâchez en douceur. Et même chose à gauche. Remettez les mains sur le torchon. Faites votre petit gain de terrain. Alors vous remarquerez qu'il y a toujours un côté qui est plus compliqué que l'autre. Voilà. Inspirez. Expirez. Abaissez cette fois-ci la main droite pour étirer la main gauche. Enfin, l'épaule gauche, pardon. Soufflez bien. On tire la main gauche vers le bas avec la main droite. Soufflez, rentrez bien le long de la colonne, ne creusez pas dans le dos. Et à l'inverse, vous allez monter
la main gauche vers le plafond pour tirer la main droite vers le haut. Inspirez, expirez. Et relâchez. Super. Reposez votre torchon. Le petit dernier, on va se retrouver dans cette position-là, mais les mains dans le dos. Si ce n'est pas possible, vous joindrez juste vos mains comme ça, l'une contre l'autre. Mettez les mains dans le dos. Si vous pouvez, ben vous faites comme ça. Vous ouvrez les coudes, vous amenez les omoplates l'une contre l'autre. Vous emmenez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Si vous pouvez, mettez les mains contre le dos pour aller chercher les mains l'une contre l'autre et emmenez les coudes et les épaules vers l'arrière. Rentrez bien votre nombril le long de la colonne. Amenez les omoplates l'une contre l'autre et allongez-vous et tirez-vous. Inspirez. Expirez et relâchez. Parfait. Ici, prenez appui avec la chaise. Attrapez votre pied gauche. Les deux genoux collés l'un contre l'autre. Le talon vers la fesse. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. En fait, c'est juste ici l'aine. Vous allez pousser vers l'avant pour bien étirer au niveau du quadriceps. Inspirez. Expirez. On tient 20 secondes, hein, donc on prend son temps. Inspirez. Expirez. Si vous voulez travailler votre équilibre et le grandissement du dos, ben vous pouvez aussi vous amuser à mettre les deux mains sur le pied et amener les omoplates l'une contre l'autre. Allongez votre posture. Voilà. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Donc là, pour le coup, si vous avez besoin, il vous suffit d'inverser la chaise, aller chercher le coup de pied. Si ce n'est pas possible, ça va attraper le pantalon. Hein. Ok. Et si ce n'est pas possible, je vous montre juste après un exercice sur la chaise pour le faire de la même façon. Ramenez votre pied vers la fesse. Rentrez bien le nombril. Amenez le bassin ici vers l'avant. Et doucement, vous essayez d'emmener le plus possible le talon vers la fesse, sachant que les deux genoux sont à la même ligne. Collez l'un contre l'autre. Si vous voulez travailler le dos avec, vous emmenez les omoplates l'une contre l'autre et vous allongez votre posture. Sur la chaise, voilà ce que ça donne. Je garde la chaise derrière moi. Je viens poser mon pied sur la chaise, les deux genoux l'un contre l'autre. Et ici, avancez le bassin vers l'avant. Et vous étirez de la même façon là. D'accord ? On n'est pas tous égaux face à notre souplesse. On peut avoir des problématiques de genoux, par exemple. Cet exercice-là est très valable. D'un côté, et même chose de l'autre côté. Les deux genoux l'un contre l'autre, avancez le bassin, rentrez bien le nombril. Et ici, vous allez sentir que vous étirez de la même façon. Ok ? Voilà. Et soufflez bien. Parfait. Je vous invite maintenant à vous asseoir tranquillement dans votre chaise. Asseyez-vous, installez-vous dans une position confortable, le dos au fond de la chaise. Mettez les mains sur votre ventre. Fermez les yeux. Et là, autorisez-vous à relâcher votre ventre. Inspirez. Gonflez votre ventre et soufflez doucement et longuement par la bouche et laissez redescendre votre ventre. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Comme si on faisait des bulles dans un verre d'eau avec une paille. Une dernière fois. Inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Et soufflez par la bouche, laissez-le redescendre. Concentrez-vous sur les bruits autour de moi, les oiseaux, gardez les yeux fermés, installez-vous confortablement. Les oiseaux, le vent dans les arbres. Très bien. Installez maintenant une respiration en 4. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Encore une fois. 1. Inspirez doucement et longuement. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement. Aidez-vous à faire en sorte que chaque pause soit la plus longue possible.
Soufflez douce. Plus long encore que la fois précédente. Et 4, bloquez à nouveau votre respiration. Parfait. Vous pouvez réouvrir tranquillement.